Salut YouTube, salut à toi, et tu peux voir face à cet écran quasiment noir qu'on se prépare des heures de souffrance et de violence. On est sur Dark Souls, un jeu évidemment de 2012 de From Software, le second de la série des Souls, si on compte Demon's Souls évidemment. Et on va faire un nouveau jeu. Alors, j'ai déjà une partie en cours qui y a un personnage qui a un peu avancé, mais pas suffisamment pour être vraiment changeant, pour être vraiment pour faire vraiment la différence. On va se prendre un guerrier de base. On va se prendre l'anneau de la vieille sorcière. Et des gros pecs. Voilà. La tronche, on va faire un noble d'Astora. On va faire un noble d'Astora. Se mettre des cheveux. Oui. Nope. Quelle grande classe, quelle beauté incroyable. On se met une queue de cheval. Et on voulait laisser noir, c'est très bien. On peut customiser un petit peu notre apparence. Excusez-moi, je vais changer un petit peu le mon setup audio. J'ai un retour dégueulasse qui est en train de complètement pourrir ce que j'entends. Hop. Vers ça. Bon, c'est pas grave, on va se mettre comme ça, je me débrouille avec. Ça fera le taf. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des effets de son qui fluctuent un petit peu, qui sont un petit peu étranges, ou que c'est pas ma voix habituelle. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire un petit peu de réglage dernièrement. Et du coup. Ouais, non, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on fait un jeune ou est-ce qu'on fait un vieux? Attention, ça change tout. On va faire un genou. Des traits féminins, peut-être avec des traits de poupon ou des traits de mec un peu plus carré, un peu plus macho man. On va le laisser comme ça, c'est très bien. Hop. Ok, bon, ça me va. Hein. Et on va dire que c'est pas mal. Et oui, on va commencer comme ça. C'est parti pour l'intro. In the age of ancients. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Bah, c'est vrai que j'ai laissé le jeu en anglais, donc je vous ferai le résumé après, mais il va falloir prendre votre mal en patience. Hein. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos.
Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart western skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Voilà, donc c'était l'âge des dragons, c'était l'âge de ténèbres, et le feu est apparu avec lui, les âmes qui ont permis à Nito, le premier des morts, Izalith la sorcière, Gwyn et le pygmée furtif, de devenir des divinités en fait, et de péter le cul des dragons, et de commencer l'âge du feu, mais qui est sur la voie de s'éteindre. Et maintenant, il y a des gens qui sont des morts-vivants qui sont parqués dans un asylum au nord. Et ils sont enfermés. Et condamnés à mourir et revivre éternellement. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose mette un terme à leur souffrance. Et on en fait partie. Et nous sommes donc ce fougueux personnage, une carcasse. Donc c'est un mort-vivant qui est condamné à mourir, à ne pas pouvoir mourir. D'où le fait que on va mourir beaucoup et souvent d'ailleurs. Et petit tuto au sol sur comment que ça marche. Donc on a un système très simple à base d'endurance qu'il va falloir gérer. Une barre de vie, et puis gâchette droite pour attaquer, gâchette gauche pour l'instant, ça ne fait pas grand chose, mais ça viendra. Et bien sûr, un jeu réputé pour cette difficulté, même si il n'est pas pour autant trop punitif, dans la mesure où quand on meurt, évidemment, si on retrouve notre cadavre, on peut récupérer les âmes et les points d'humanité qu'on a perdus. Et du coup, si vous faites aussi bien que la fois précédente, vous ne serez pas puni.
Au contraire, théoriquement, si vous faites plusieurs fois le même trajet, vous avez la possibilité de récupérer les âmes des morts, des gens au passage, puisque quand vous mourrez, les ennemis réapparaissent. Et du coup, plus vous mourrez, plus vous pouvez monter en puissance. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça va pas être la même crèmerie. Vous allez voir qu'on va vite avoir des problèmes. D'où le fait qu'on ait un petit compteur de mort en dessous. Il y a le gros monsieur tout en haut. On va pas demander notre reste, on va se barrer. Voilà. Parce que bon, avec notre petite épée cassée, ça va être un peu dur de se le faire. Et donc ce système, évidemment, c'est les feux de camp. Quand on va atteindre un feu de camp, ça va nous permettre de sauvegarder, de dépenser l'expérience qu'on aura acquise, et mais ça va reset les ennemis. Du coup, il va falloir gérer un petit peu nos morts de cette façon. Sachant quand même que dans tous les cas, un feu de camp est toujours bienvenu. Hein. Alors, du coup, start pour l'inventaire, ça n'arrête pas le jeu, c'est toujours bon à savoir. Et on va s'équiper de notre bouclier qu'on va pouvoir utiliser avec gâchette de gauche. Pour s'approcher de ce maudit archer qui nous fait de la misère. Hop, on va s'équiper de l'épée longue. Et on va lui montrer qu'il n'y a pas trop. Donc un jeu qui va demander quand même pas mal de patience et de. En fait, souvent ce qui va tuer dans Dark Souls, c'est la volonté d'aller trop vite. Qui va poser de gros problèmes, puisque quand on va trop vite, on est un petit peu moins concentré. Et quand on est un peu moins concentré dans Dark Souls, on se fait défoncer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il me semble qu'il n'y a rien. Évidemment, parfois, il y a des passages un petit peu lolilol avec des pièges rigolos. Alors, par là, on a l'accès à notre feu de camp, mais je suis pas sûr qu'on puisse accéder par là. Ouais, si. Parfait. Bon, là. Ça coûte rien d'activer. Alors, donc, comme je disais, j'avais une partie précédente. J'étais arrivé au point où j'avais sonné les deux cloches, puisqu'on va avoir deux cloches à sonner. Je ne vais pas vous spoiler le scénar. Donc j'avais atteint un petit niveau déjà de 40, je crois. Mais bon. Ça va pas nous empêcher de mourir dans tous les sens. Je suis foutu, je vais mourir. Je mourrai bientôt, puis je perdrai ma santé mentale. J'aimerais vous demander quelque chose. Vous et moi, nous sommes les morts vivants. Écoutez-moi, voulez-vous? Oui, d'accord. Malheureusement, j'ai échoué dans ma mission. Mais peut-être pouvez-vous garder la torche allumée. Il y a un vieux proverbe dans ma famille. Toi qui es mort-vivant, es choisi. Dans ton exil hors de l'asile des morts-vivants, fais un pèlerinage où tu pourras aller sonner la cloche de l'éveil. Maintenant que tu sais, je peux mourir avec espoir dans ma donc. An Estus flask, an undead favorite. Et donc il nous donne une fiole d'Estus qui va nous permettre de regagner notre vie. Autant dire que ça va nous être très utile. Et en plus, est-ce qu'on peut faire, sympathiquement, c'est abréger ses souffrances. Car nous sommes des gens fort sympathiques.
Et donc notre fiole d'astuces va se remplir quand on va se reposer au feu de camp. Là. On va les attirer. J'ai été plus rapide que toi. Donc pour l'instant, on a une toute petite barre de vie et une petite barre, toute petite, pardon, barre d'endurance. Mais évidemment, quand on va regrimper le niveau, il y aura moyen d'améliorer ça. Une bonne chose de faite, et je pense qu'on ne va pas pouvoir ouvrir la porte ici. C'est verrouillé. Et donc on va traverser ce voile de brume et rencontrer le premier boss du jeu. Et les premiers soucis, peut-être le début de notre compteur de mort. Donc tout ça, ça va se baser principalement sur l'esquive et la parade. Comme ce que je n'ai pas fait ici. Là. Parade de dernier moment que j'avais pas vu venir. T'as plus l'arnaque ton histoire, voilà. Il a de la longe de boulot. Hop. Le tout va être d'animer les attaques. Et voilà. Bon, c'est le premier boss, c'était facile. Et on gagne une humanité. Et 2000 points d'XP. Ce qui se prend toujours, hein. Évidemment. Donc, pour l'instant, on est épée bouclier. Si j'appuie sur Y, je passe en épée simple. Et donc, vos mouvements vont dépendre aussi du type d'arme que vous utilisez. Donc là, l'épée qui a une attaque, par exemple, quand j'ai un bouclier en balayage et une attaque perçante. Donc, une arme assez versatile. Donc, si vous vous demandez ce qui faisait derrière, c'est que je pense qu'il y a d'autres mondes dans ce... de beaucoup petits endroits à explorer. Et on va quitter ce charmant endroit. Celle d'une ancienne légende, il est dit qu'un jour, un mort-vivant sera choisi. En plus, ça arrive. Pour quitter l'asile des morts-vivants en pèlerinage. Vers le pays des anciens seigneurs. Lordran. Ou Lordran, si vous voulez. Et après ce petit asile des morts-vivants qui faisait office de tuto, les ennuis commencent. Maintenant on va pouvoir monter de niveau ou améliorer les feux de camp et surtout parler aux gens. Eh bien, qu'avons-nous là? Tu dois être un nouvel arrivant.
Laisse-moi deviner, le sort des morts vivants, non? Eh bien, tu n'es pas le premier. Mais il n'y a pas de salut ici. Tu aurais mieux fait de rester pourrir dans l'asile des morts vivants. Mais il est trop tard maintenant. Eh bien, puisque tu es là, laisse-moi au moins t'aider. Il y a en fait deux cloches de l'éveil. Il y a une vers le haut, dans l'église des morts vivants, et l'autre est bas, très très bas, dans les ruines de l'ancienne Blighttown. Fais sonner les deux et quelque chose se produira. C'est fou, non? Pas grand chose d'autre à dire, mais j'ai l'impression que ça t'arrêtera pas. Eh bien, vas-y, c'est pour ça que tu es venu, n'est-ce pas? Dans ce pays maudit des morts vivants. Oui. Bonjour madame. Alors si on a une âme de Firekeeper, on va pouvoir améliorer notre fiole d'Estus, ce qui n'était pas le cas. Et elle ne parle pas, donc c'est la madame qu'on a vue dans l'intro, je pense. Ma femme d'intro. Mais elle ne parle pas. Bon bah du coup on va sauvegarder et on va monter de niveau. Alors monter de niveau, on va pouvoir dépenser nos âmes donc, qui sont marquées par Souls de cran au-dessus. Et donc on en a mis 2340 et on a besoin de 724 pour monter de niveau, n'importe quel niveau. Donc on va devoir choisir ce qu'on augmente et puis quand on va augmenter, bah, évidemment, les quotas d'augmentation vont être plus élevés. Donc, alors, choisir un peu. Si on augmente en vitalité, on monte en points de vie. Et en défense. En endurance, ça va nous permettre de résister mieux, d'avoir une meilleure charge, plus de stamina. Donc ça, c'est bien, je prends. Plus de force aussi. On va monter à 14 en endurance, 14 en force. Et après, on montre la vitalité. Non, pardon, je l'ai... J'ai fait de la merde. Hop là, et nous voilà niveau 7. Et du coup, les âmes dépensées, évidemment, ne seront plus perdues quand on... au moment de la mort. Donc, possibilité de courir avec le bouton B, qui sert aussi pour les esquives. Quand on maintient un B enfoncé, puis qu'on relâche et qu'on appuie, on saute. Ce qui va nous permettre... de passer quelques petits gaps de temps en temps. Ou de fuir des ennemis, puisque la fuite est une tactique complètement valable dans Dark Souls. Hello there. Bonjour, je crois que nous ne sommes pas présentés. Je suis Petrus de Thorolund. Avez-vous une affaire à faire avec nous? Sinon, je préfère que nous restions à distance autant que possible. À pouvoir parler plusieurs fois aux gens. Bonjour. Je réalise que j'ai demandé ce que nous gardions de distance, mais je veux aussi que vous sachiez que je ne vous veux pas de mal. Tenez, prenez ceci comme un gage de paix. Non, allez-y, c'est pour vous. Nous avons une pièce de cuivre. Oh, vous encore? Oh, je sais. À propos, je dois attendre que mes compagnons arrivent. Et si je vous apprenais quelques miracles? Est-ce que cela vous plairait? Oui, bah oui. Très bien. Tout d'abord, une alliance avec les dieux. Oui, de toute façon, j'ai pas de covenant, donc je veux bien. Permettez-moi de partager les miracles. Seulement, leur efficacité sera déterminée par vos efforts et votre foi. Et donc, il va nous vendre du matos et des miracles, qui seront des sorts, entre guillemets, qu'on peut lancer. Mais bon. Vu qu'on est un guerrier, on est de la bagarre, et on n'est pas trop... on n'est pas trop, comment dire, des sorciers ou autres. On va explorer un petit peu les alentours, il y a peut-être des objets qui traînent. On a vu qu'il y a des humanités qui traînaient sur un cadavre tout à l'heure, on va peut-être pouvoir en trouver d'autres.
ou d'autres objets utiles. Le début de notre quête s'annonce un peu rudasse. Pour rester poli. Alors, l'âme d'un mort-vivant égaré. Donc le jeu, en termes de scénar, va être très fragmentaire. Il va falloir pas mal lire les descriptions d'objets, par exemple, les parler avec les PNJ pour essayer de déterminer le scénar. Il va pas être très guidé, très dirigiste. Et donc, ça va laisser un peu de choix, de place à l'interprétation et à la décision. Il y a notre ami le corbeau là-bas. Alors, le jeu date de 2012, mais le moteur AVOC à l'époque était déjà assez vieillissant, il me semble. Autant dire que même pour les standards de l'époque, il n'était pas forcément très joli. Mais c'est pas l'attrait du. C'est pas l'attrait du jeu. Il est joli. Hop. Il y a dedans qui nous lance des petites fiofioles. Alors évidemment, parer et attaquer, ça va nous coûter de l'endurance. Donc il va falloir gérer avec parcimonie la dite endurance. Pas venir, mais... C'est à dire que là vous êtes un petit peu nombreux, un petit peu chiant. Ça aurait pu être pire. Alors, puisqu'on est au début, on va déjà tenter une cascade. Attention, il y a une âme là-bas à récupérer. On va essayer de se la reprendre. Un objet à récupérer sur un corps. On va essayer de sauter ce petit trou ridicule. Ce qui veut dire qu'on va probablement tomber et mourir pour la première fois. Oh, cascade. Anneau du sacrifice. Voilà. Du sacrifice. On ne perd rien au moment de la mort, mais l'anneau est détruit. Ça peut servir. Ça peut servir. Et on est toujours pas mort. Alors que ça fait au moins 2 minutes qu'on est ici. Ce qui est quand même pas mal, hein. Prenez vos habitudes. Vous allez voir l'écran You Died. Plus d'une fois, évidemment. Une nouvelle âme. Un gros ramoche. Ici on a une porte, mais elle ne s'ouvre pas de ce côté. Par là, on peut monter. Alors, les joueurs peuvent laisser des messages avec l'aide d'un objet. Et donc, parfois, certains en laissent de façon un peu taquine. Alors, on ouvre Undead Burg. Il va être la première zone importante, puisqu'on avait des. Firelink Shrine qui était vraiment le tout début. Voilà. Très mal poli ce que tu fais, sache-le. En termes de jouabilité du coup, c'est assez sympa je trouve. Ça se manie très bien avec les deux sticks.
mais le jeu est aussi connu pour ses glitches et ses petites approximations qui ont le don de faire le sel et le plaisir des joueurs. On peut descendre ici. Un objet plus bas. Une âme, ça se prend. Par là, il y a des gens qui sont accrochés. On va rester comme ça, les gars. Donc, à la fois l'attaque et la parade prennent l'endurance. Il va falloir gérer l'endurance parce que quand vous êtes à court. Vous pouvez vous faire stun, et quand c'est le cas, c'est la merde. Et par là, il y a un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être consommer notre flasque tout de suite, on est à la moitié de notre vie. On a vraiment une barre de vie très très courte pour l'instant. La moindre prudence peut nous être fatale. On a un système de lock aussi, oula, j'ai pas vu. Qui va nous permettre de cibler les ennemis. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le coin? J'ai l'impression que non. Oui, bien sûr, comme il n'y a pas de carte, il va falloir apprendre un peu les lieux. Quelqu'un a dû tomber et mourir. Donc ça va demander un petit peu de d'apprentissage évidemment, beaucoup de patience. Et une bonne résistance à la frustration. Un mec au-dessus que j'avais pas vu. Humanité. Il y a Galaba. Salut mon petit pote. Donc quand on reste avec la parade, on regagne moins vite notre endurance. Quand on la lâche, ça va plus vite. Et on avait un petit bug graphique, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut monter par là? Je pense que non. On va y accéder par l'autre côté après, on doit pouvoir sauter de balcon en balcon. Tel un Zelda à la fraîcheur discutable, on va pouvoir péter tous les tonneaux. S'il y avait des poteries, on les péterait toutes. La seule différence avec Link, c'est qu'on va. Mais bien sûr, je parlais de Zelda le jeu, pas de Zelda le personnage. C'est raté. Du coup, oui, tel un Link décrépit, on va pouvoir péter les tonneaux, mais on va faire beaucoup moins de bruit. Notre perso n'est pas un grand bavard. Hein. Raté. Est-ce que seulement on peut passer comme ça, ou est-ce qu'il y a un passage au-dessus? Peut-être un passage au-dessus. On va passer 8 ans à essayer de sauter de balcon en balcon, visiblement. Le parcours, c'est pas pour nous. Grosse bestiole. Hein. Grosse bébite. Bonsoir. Alors, il y a un marchand là-bas. L'arbalétrier nous est bien ça, aligné.
Il manque un peu de force pour nous les finir en un coup, ça serait quand même bien pratique. Et puis de temps en temps, on voit les spectres des gens qui sont morts. Ça peut nous donner une indication sur ce qui se passe dans le coin. Bouclier en bois. Alors, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est moins bien? Display. Il est moins bien. Un petit peu moins de défense. Meilleure défense magique, meilleure défense contre la foudre. Plus léger, mais le reste, il est moins bien. Alors, on va tomber contre un nouveau type de monstre, les lanciers. Qui vont être fortement agaçants. Surtout s'ils s'y mettent à deux. Tiens, c'est cadeau. Hop. Moody, viens. Viens, gamin. C'est là qu'on aimerait bien avoir une armée plus d'allonge. Surtout quand tu veux. Hein. Te force pas à agir, hein, c'est. Quel duel incroyable. C'était un peu longué, mais on a fini par l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de devant là? Rien, rien, rien et rien. Peuple au-dessus. Il y a une bonne profondeur de champ qui est quand même assez agréable. On peut voir ce qui se passe dans le lointain, c'est sympa. On peut voir aussi ce qui se passe plus bas. On a dit qu'il y a des taches de sang. Autant dire que peut-être qu'on y passera un jour. No spoil. Et le Tancred, comment ça va? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur ce jeu de la détente, de la zénitude et pas du tout du Rage Kit. Salut! Eh bien, vous en voulez avoir tous vos esprits? Et encore un consommateur? J'échange pour des âmes, tout est à vendre. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a un démon chèvre plus bas, il y a un gros dragon, un démon taureau. Et si vous restez en coin, ça peut définir votre tombe. Toujours son super agaçant. Et je suis pas là pour discuter. On parle de boulot ou on parle pas du tout. Encore un jeu qui va mettre ta patience à l'épreuve. Heureusement que j'en ai beaucoup. Heureusement que la patience, c'est quand même ce qui me définit. Hein. Les flèches, on s'en fout. Pas grand chose d'intéressant ici. On va se prendre la clé, je pense. Oui. Il reste ça. Thank you kindly. Ah, merci. Petit filou! Tu étais caché, tu étais déguisé en armoire. Ou pas. Mais si, je suis un mec patient. Ça, je crois. Enfin, peut-être. Salut les gars!
calme-toi. Chauffier-fils. Ils ont rien lâché, non. Parler avec des embrouilles. Je vais rapprocher mon téléphone pour voir un peu le chat. Sinon, je vais rater les interventions toujours pertinentes. Ou pas. Est-ce que tu peux me dire si ça va le son tant que j'ai fait du réglage par rapport à la dernière fois? Normalement, vous devriez mieux m'entendre. Je sais pas si t'as pas une espèce d'écho métallique chez toi. Hop, cascade. Normalement, le son devrait être à peu près correct. À peu près. Mais par rapport au son du jeu et tout, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce cadavre? On ne sait pas. Nickel. Ah bah parfait. À moins que ton but ce soit de pas m'entendre. Pas d'écho, bah parfait alors. Ça me va très bien. Hop. Bon, pour l'instant, notre petite exploration se passe plutôt bien. On est encore à 0 mort. Et ça, c'est fou. Mais ça devrait changer sous peu. Parce que j'ai pas de niveau. Alors, faites qu'en allumer. Pas assez d'âme pour monter le niveau. Là-bas, il y a une échelle, mais elle est encore repliée, on va pas pouvoir y accéder tout de suite. Et donc, du coup, quand on se repose au feu de camp, c'est le retour des méchants. On va coucher. Très mauvais timing. Alors, bête légère, on en avait déjà une. A noter que si on arrive du coup à prendre les ennemis dans le dos, on peut leur faire une attaque sournoise qui va faire pas mal de dégâts. Et c'est une technique tout à fait valable contre certains boss. Alors peut-être pas se faire les deux là-bas sauf si on a les deux qui arrivent. Voir les deux. Ils sont un peu longués. Ouais, plutôt avancer. Oula, j'ai pas vu venir. Mais... J'avais quitté enthousiaste, mais pas à ce point. On fait se faire défoncer comme des gogoles. C'est pas passé loin tout ça. J'ai un peu ballon de mourir tout de suite. Wesh. Impeccable. Le coquinou était déguisé en porte. Là-bas un coffre. Une bombe de feu noir. Bien sûr, on se roule dans du mobilier et on est très content. Et bah quelque chose, non. Par contre, il y a des bruits de pas en dessous ou au-dessus. Puisqu'il y a la plateforme avec les vilains petits coquinous. C'est lui, et puis je voulais neutraliser en premier. Mmh.
L'avantage du balayage, c'est de pouvoir toucher de temps en temps plusieurs ennemis d'un coup. Et ça va être fort utile. Aïe. Est-ce que là-bas il y a des choses à aller voir? J'ai l'impression que non. Une petite corniche, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc on va pas trop faire le kéké. Il y a un arbre à l'étrier là-haut. On pourrait essayer de se débarrasser rapidement. Bonsoir. Allez. Continuer de faire de casser tous les meubles non IKEA. Alors on a trouvé un petit objet qui va nous permettre d'appliquer de la foudre, il me semble, aux armes. Vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Ça peut avoir un avantage sur certains monstres, mais bon, là, pas encore. Pour l'instant, on est sur des ennemis très basiques. Coucou. Ouch. Hello Gudrul, bienvenue. Comment ça va? Eh ben oui, ça roule. Écoute, rien de tel pour se détendre que de faire un peu de Dark Souls. Belle petite brochette. Là, tu aurais eu le temps de se soigner derrière. C'est pas grave. Bon. Jusqu'ici, on a bien rigolé. Pour l'instant, zéro compteur de mort. Ouais. Enfin, pour l'instant, après, cette partie-là, je la connais relativement bien. Et on n'est pas encore au... au moment marrant. Mais là par contre on va passer le compteur à 1 par exemple parce qu'on va essayer de se taper le chevalier noir. Alors qu'on a clairement pas le niveau. Alors on m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Une référence qui parlera aux plus jeunes. Sérieux, en backstab on lui a fait 60. Yeah, fuite. Tellement pas de longueur d'attaque. Ok. Aïe, celle-là j'avais pas vu venir cet enchaînement-là. Non mais barre-toi. Oui, bah. Don't do the kéké.
Ouais, évidemment. Évidemment. Bon, on va attendre d'avoir gagné un petit peu d'expérience et on va se passer le compteur à 1. Un moment. Fallait bien que ça commence quelque part. Du coup, c'est reparti. Et donc, du coup, on repart à un endroit de notre dernier. GG, merci. Ah, j'ai quand même fait bobo. On recommence à l'endroit de notre dernier point de sauvegarde. Sauf que bah, les ennemis ils vont vachement mieux. Et du coup, si on atteint notre corps, on va pouvoir récupérer les âmes qu'on a perdues. Donc finalement, la mort n'est pas si dommageable. Allez, c'est avec toi, tu étais super enthousiaste sur tes attaques. Donc du coup l'avantage de mourir de temps en temps c'est que ben là par exemple si je retrouve mon corps je vais regagner ce que j'avais sur mon corps. Je sais qui tu es Gudrul. Et non, Tancred n'est pas à genoux en train de prier. Enfin, du moins pas à ma connaissance. Du coup, notre âme est là. Hop là. Ça c'est fait. On récupère nos âmes. Donc, du coup, on a 2500. C'est pas trop mal. On va laisser faire l'arbalétrier. Du petit à genoux. Mais je ne prie pas. Alors, ça c'est bon. Je crois que là, on avait dû oublier le mec qui est déguisé quelque part, non? Non, il y en a trois là-bas. Mais on va se faire les mecs là-haut, ça nous fera un petit peu d'XP. Pour aller dans la grande tour là-bas sur le coin. Ah, c'est vrai que vous n'êtes pas encore mort, vous. Et ça, c'est gênant. Nope, tu te soignes pas, pas moyen. Hop, petite attaque sur moi, ce qui fait du bien. Et le petit bruit de... très élégant du mort. Alors, toi... Bon. Parce que c'était pas mal. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Car évidemment. Il y a aussi des boss. Allez, on se motive, on se concentre et on va perdre 3100 âmes.
Je pense pouvoir dire sans trop me tromper, Tancred, qu'il s'agit d'un barbu de notre connaissance. Oh l'enfoiré. Pas vraiment chaud. Absolument. Obligé de se distraire devant des streamers de piètre qualité. Bon. Shit is going to be serious. Coucou. Shit. Et donc, premier gros boss. Le démon taureau. C'était ça le parricide. Oh, il y a des gens très bien avec Kogomi des parricides. Alors, si je me rappelle bien, on peut passer entre ses jambes. Voilà, et que c'est pas une mauvaise technique. Par contre, je vais m'éloigner. Parce que le monsieur, il a une allonge plutôt correcte. J'ai survécu à ça, moi. Pas du tout le bon timing sur la roulade. Oula. Il fait bobo, hein? Il tape fort le bobo. Se planquer entre les gonades, c'est une technique d'esquive. Ouais, comme ça, il n'ose pas trop taper. Tu sais, je pense que s'il sait qu'une imprécision, il châtre. Ça, c'était une idée de merde. Oh, c'est loin celui-là. Ah, j'ai cru qu'il allait tomber. Je vais dire yes. Oui, parce que les boss sont un petit peu cons. Bon, par contre, on a plus d'astuces. On est dans le croco. Ça va être une super idée de le finir. Je suis où? Je suis dans la merde, c'est ça ma question. Tes coups d'épée ont sur le sureau hémorroïdaire. Et on se les fait du premier coup, et ça c'était assez inattendu. Pouf! C'est tout? Ah mais non, 3000 âmes quand même. Eh ouais, bah ouais. On va aller retourner tranquillement jusqu'au feu de camp. On va aller dépenser notre XP. Parce qu'à 6000, ça serait un peu con de les perdre. Là, j'aurai les boules. Surtout qu'on n'a plus d'astuces. Puis on va pouvoir continuer d'avancer. Quel talent incroyable! Les gens sont déçus de m'avoir gagné. Ça m'a fait perdre un viewer. Bon. Une bonne chose de faite. Je suis assez content d'habitude les boss, ce boss là, quand je tente une nouvelle partie, c'est le premier où je rage quitte. Je suis sûr que vous êtes déçus.
Hop, on va se reposer, remonter de niveau. Il est facile ce jeu en fait. Mais oui, c'est franchement super simple. On va se monter en vitalité. En point, c'est bien. On va se monter en endurance, ça sert toujours. Putain, il manque 10 pour la force. On va faire ça, on va tuer un ennemi random juste derrière. J'avais pas prévu de rester longtemps. Eh ben oui, je suis plein de surprises. En fait, j'ai enregistré 27 fois cette vidéo jusqu'à pouvoir avoir le boss correctement. Hop. Voilà. Comme ça, on va se monter. Du coup, c'est vous qui allez rage quit. Bah ouais, ça m'étonne pas. Je vous ai promis de la mer, de la mort et de la mort à gogo. On en est loin pour l'instant. Hop, on va monter ici. Voilà. On va faire un petit break pour YouTube. Ouais. Hop. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et surtout, ne rate pas le prochain épisode qui va surtout, sûrement se solder par nos premières déceptions amoureuses. Et du coup, des bisous.